Ah, voilà, comme je vous avais dit, on a des problèmes des insectes, vous voyez. Ça c'est les bouteilles pièges, vous voyez les insectes, vous voyez combien d'insectes. Ils sont en train de détruire tout. Je ne sais pas, vous voyez, c'est des milliers et des milliers. Voilà, c'est pas facile quoi. Et puis ça détruit tout. À peine la mandarine commence à virer, à être un peu colorée, ça commence à être sucré, il change de. Il l'attaque. Il l'attaque. Voilà. Il fait des trous et puis il suce tout le jus. Et puis après, la mandarine, elle tombe. Voilà, c'est pour ça qu'on a perdu la moitié, ouais, de ce qu'on devait récolter. Mais vu que c'est des petites plantes, c'est pas méchant, quoi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de trouver une solution avant que les plantes commencent à produire 50, 60, 80 kilos, quoi. Là, sinon, ça va faire des dégâts. Actuellement, avec 2 ans, on est à 15 kilos par plant, c'est pas méchant quoi. Et puis honnêtement, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est pour le moment quoi, pour ces 2 premières années, c'est savoir que ça produit et que c'est réussi quoi. Et entre temps, on va essayer de lutter contre ça. Ouais, quand je rentre en Europe, je vais chercher quelque chose pour s'il n'y a pas de produits, on va essayer de les couvrir quoi. Ouais, des moustiquaires plus grands pour les plants plus grands quoi. Voilà. Comme vous voyez, c'est compliqué quoi. C'est pas facile de travailler et puis se retrouver avec ces gâchis-là. Vous voyez, regardez comment elles sont belles, gros. Elles sont bien gros. Ouais, elles sont bien. Ouais. Ces plantes-là, à 2 ans, elles produisent 15 kilos presque. À 3 ans, elles vont produire minimum 50 kilos, quoi. Ça, je suis sûr. Bon, déjà, les Tangelo de 2 ans, on récolte 25 kilos par plant. Et ça, c'est miraculeux. Hein. Ça, je vous le dis. Voilà. C'est miraculeux. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que sinon, ça va foutre en l'air tout le travail qu'on a fait et tous les investissements. OK. Voilà. Ça, c'est un carcelier aussi de 2 ans. 2 ans, ouais, vous voyez. A déjà produit, voilà. Il est en train de greffer les mandarines du Maroc. Ouais. C'est un professionnel. Voilà. Il a déjà greffé. On vend les plantes après. Voilà. Ici, comme je vous le dis, on est au Sénégal ici, à Dakar, à Mboro plus précisément, le champ se trouve. Voilà. OK. Voilà, il y a un là-bas qui dort. Où est-ce qu'il est? Il dort là. Voilà, il est là-bas, il dort. Il est fatigué. Ok. C'est bon. Merci, à la prochaine.